Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un double whip en finger BMX. Donc, je vais vous apprendre en fait plutôt comment faire un double whip mais ainsi qu'un triple whip et un quadruple whip. Donc la manière générale, ce que vous devez faire, c'est prendre tout simplement donc, des ciseaux et couper en fait votre frein, car c'est pas très utile en fait, à part faire des ice picks, mais si vous n'aimez pas les ice picks, vous pouvez le couper à l'aide de vos ciseaux. Comme ça, vous allez pouvoir insérer votre doigt, voilà, comme vous le voyez, et que la roue avant va pouvoir tourner, comme vous le voyez. Comme ça, ensuite, ça sera très facile pour lancer le maximum de tie whip que vous pouvez. Donc, pour le faire, pour que ça soit très réaliste, donc vous roulez comme ça, vous mettez toujours le pouce et ce doigt-là ici, vous roulez normalement, et pour le lancer, en fait, pour lancer beaucoup de whip, vous allez sauter, vous allez écarter ces deux doigts-là. Et ensuite, avec ce doigt, vous allez lancer une rotation, comme ça, vous faire un tour, ce qui fait que votre deck va tourner. Et pour le rattraper, pour que ça soit réaliste, vous allez ramener vos deux doigts en même temps, c'est-à-dire que le pouce il va passer juste là, et ce doigt-là, comme ça, pour le rattraper. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour le double whip, vous faites, vous arrivez là. Voilà, vous voyez que c'est très rapide. Et qu'on peut, en fait, aussi en faire à l'infini. Voilà, c'était un tuto qui était... Je trouve assez utile si vous voulez faire beaucoup de tie whip. À bientôt.